Louis Vuitton, du luxe classique au plus tendance. L'image de Louis Vuitton est plutôt classique et luxueuse jusqu'à ce que Bernard Arnault, le nouveau propriétaire, prend le pouvoir en 1989. Il va consacrer beaucoup d'énergie et de temps pour changer l'image de cette marque et aussi la laisser devenir le géant du luxe qu'elle représente aujourd'hui. Le premier pas à franchir pour Louis Vuitton, c'est la diversification de ses activités. La maison parisienne n'est plus seulement un fabricant de maroquinerie spécialisé dans les bagages et les sacs. L'entreprise développe du prêt-à-porter, des chaussures, des parfums, des cosmétiques et des montres. Au cours des 20 dernières années, la maison a fait de grands progrès pour faire de Louis Vuitton une marque mondiale et numéro 1 du luxe. Tout cela en concevant une partie de l'héritage et de l'histoire de la marque, mais la rend plus à la mode. L'histoire et les produits de la maison de maroquinerie étant très liés au voyage et au luxe, la marque a rapidement voulu s'implanter à l'étranger. Actuellement, elle est présente directement dans une soixantaine de pays avec environ 400 magasins.